Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester un autre deux roues. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé un deux roues, la dernière fois c'était la mobylette. Donc la première vidéo que j'avais fait sur la chaîne, ça vous avait bien plu. Alors je me suis dit on va faire un autre deux roues. Une moto cette fois-ci, enfin une motocyclette légère, on va appeler ça comme ça. Alors c'est une Honda CBR 125 de 2016, les dernières qui ont été produites par Honda. Parce que maintenant elle n'est plus commercialisée. Maintenant ils ont laissé place à la nouvelle CB125R qui elle est plus un roadster, un peu comme la KTM Duke, la Yamaha MT, tout ce genre de moto. Donc voilà, la dernière sportive 125 de Honda. Donc on est sur un. Au niveau moteur, on est sur un monocylindre 4 temps de 125 cm3 développant à peu près 13 chevaux. Avec un frein à disque à avant, un frein à disque à l'arrière. Le moteur est d'origine, hein, j'ai juste les seules modifications que j'ai fait sur cette moto, c'est l'échappement. Donc un échappement Black Widow qui vient d'Angleterre. Donc pourquoi un échappement Black Widow? Tout simplement parce qu'ils sont deux fois moins chers que tout ce qui est Arrow, Scorpion, Akrapovic. Le seul truc, c'est qu'ils ne sont pas homologués en France. Allez savoir pourquoi. En attendant, je m'en branle un peu. Je trouve qu'il fait un beau bruit. Mieux que certains bruits comme les Scorpions ou les Acra, que je trouve qu'ils sont un peu trop bruts. Celui-là, ça fait un bruit un peu feutré. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus niveau esthétique? Là, d'origine, le sabot, ça... Et le garde-boue, c'est noir sur la CBR 125. Je trouve que ça fait dommage parce que contrairement aux autres sportives qui ont vraiment un carénage complet, ça fait une cassure. Imaginez que ça et ça, c'est noir d'origine. Donc ça fait un peu bizarre. Moi, ça me plaisait pas. Donc du coup, je les ai peints en blanc pour que ça soit raccord et que ça fasse du coup vraiment un carénage complet, un peu comme sur une YZF ou sur une autre sportive. Après, j'ai mis des rétros en bout de guidon. Alors ça, c'est pas tout le monde aime. Je l'ai fait aussi pour que ça soit un peu plus pratique. Parce que je fais 1m87. Donc je suis très à l'aise sur la moto, c'est pas ça le problème. C'est que je voyais tout le temps dans les rétros mes épaules en fait. C'est un peu chiant. J'étais obligé de me décaler à chaque fois pour regarder dans les rétros. Alors j'ai mis ces rétros en bout de guidon. Tout simplement acheté chez Daffy Moto en même temps que les poignées rouges, donc c'est ce qui fait que maintenant j'ai une bonne visibilité, parce qu'ils offrent quand même une bonne visibilité, même s'ils sont pas homologués eux non plus. Vous vous rendez compte, un produit pas homologué qui donne une meilleure visibilité que des produits homologués. Donc bref, on va pas débattre sur ce sujet là. Ensuite j'ai peint levier de frein et d'embrayage pour que ça colle à la poignée et au rouge de la moto. On est sur des pneus d'origine, c'est les mêmes pneus que toutes les motos donc, qui viennent de Thaïlande, là où elle est construite. Donc c'est des IRC Roadwinner. C'est monté aussi sur les Yamaha R15 et les Ninja 300. Les avis sont assez partagés sur les pneus d'origine comme ça, sur les pneus IRC, parce qu'ils accrochent pas vraiment sur le mouillé. D'ailleurs je me suis jamais amusé à faire le con sur le mouillé. Mais sur le sec, je trouve qu'ils accrochent, je trouve que ça suffit amplement. Le seul défaut que je leur trouve, c'est qu'ils ne chauffent pas, même après des balades de 2 heures, des fois, vraiment en y allant fort. Y a jamais de... Ils sont jamais chauds, quoi. C'est tout le temps... C'est du béton. Donc bon, si jamais un jour je dois commencer à attaquer vraiment pour de vrai, je pense que je ferai monter des Bridgestone ou vraiment des pneus de marque reconnus. Donc voilà. Alors c'est parti, on se retrouve pour le test routier de la CBR 125. Donc là je vais aller au col de l'Espigouillet, pour ceux qui sont dans le sud, ils doivent sûrement connaître. Donc c'est un col où on a des belles montées, des belles descentes, de beaux virages. Donc on va pouvoir exploiter la petite CBR 125 2016 sous toutes les coutures. Donc là on arrive derrière le col. Donc il y a plein de virages en montée, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon alors déjà ce qu'on peut dire, la moto est très légère, elle s'inscrit super facilement dans les virages. On n'a pas beaucoup de patates, mais une fois passé les 7000 tours, ça se déchaîne un peu. Donc oui, je disais, on a à peu près une plage de 4000 tours, donc de 7000 à 11000 tours pour exploiter la machine. Au-delà, ça ne sert pas à grand-chose, on a surtout des grosses vibrations au-delà de 11000 tours. Et la puissance est déjà donnée, on arrive au winter. Voilà, sur cette moto pas d'ABS, donc on peut bloquer l'arrière si on freine un peu trop. On est obligé de tomber un rapport. Pour exploiter la machine, si c'est sur 25-4 temps, ben c'est un peu en fait au final comme les deux temps. Ça s'exploite vraiment dans les tours. En dessous de 7000 tours, on peut vraiment conduire ça. Tranquillou, puis au-dessus, le moteur s'emballe, quoi. C'est suffisant pour s'amuser, c'est suffisant. De toute façon, maintenant, on peut plus rouler à plus de 80, alors ça sert à quoi? Donc là, on va attaquer la section à haute vitesse, un peu de ce qu'il voulait. Donc, c'est-à-dire légère descente, léger plat, légère descente, des lignes droites, des virages, il faut faire très attention. Ouais, ça freine, hein. Ça freine. Hein. Ça freine largement ce qu'il faut pour un 125. En fait, il y a un léger jeu au sélecteur, donc faut bouger un peu le sélecteur, on va dire, de là où sur certaines bécanes, le sélecteur est dur et à peine on touche, les rapports se passent. Sur celle-là, il faut un peu plus monter, un peu plus descendre. Je ne sais pas si c'est un défaut de ce modèle-là exclusivement. Mais voilà, j'ai eu d'autres motos avant et je trouvais que le sélecteur était un peu plus précis que sur cette moto. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi. La sélection des vitesses, je dis pas qu'elle est pas bien, mais elle manque de précision. Bon après, c'est clair, c'est pas une machine de course, ça. C'est une 125 destinée au permis 1. Au permis B plus formation de 7 heures. Il chante bien le petit pot Black Widow là. Qu'on peut atteindre assez rapidement les 100 km/h, même si c'est qu'un 125. Hein. Après, niveau vitesse de pointe, ben c'est à peu près comme toutes les autres 125 4 temps. Hein. Moi, je suis monté une fois à 135. Après, bon, au compteur, ça doit donner un 130 réel. Donc, niveau tarif, on s'approchait des 3 500 € neuf. Donc ça reste quand même 1 000 € moins cher qu'un Aprilia RS4 ou qu'une Yamaha R125 ou qu'une GSXR125, bref, toutes les autres sportives. La CBR, c'était la sportive dite 125, la moins chère. Donc Honda l'a annoncé pour 13 chevaux. Alors que vous savez, en France, le maximum que l'on puisse avoir sur des 125, c'est 15 chevaux. Bah écoutez, par rapport au Yamaha, ou Aprilia, ou Suzuki, qui
qui développe elle 15 chevaux. Elle a rien à envier. Elle a rien à envier du tout. À envier du tout à ses concurrentes de 15 chevaux, parce que d'une part elle est plus légère, et j'ai déjà fait plusieurs balades avec des collègues qui ont justement des KTM RC, des R125, ça suit sans problème le groupe. Après bien sûr tout est une question de niveau de conduite. Malheureusement je suis pas un super pilote, alors j'apprends petit à petit, mais je suis sûr qu'entre des bonnes mains, la 125, cette petite CBR peut bouffer de la Yamaha. J'espère que ce petit essai vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.